Les amis, je sais pas comment vous remercier. On a atteint les 40 000 soutiens, c'est un truc de folie. Du coup, merci vraiment à tous ceux qui ont mis le code créateur HungryManSkill dans la boutique d'objets, les amis. Ça fait juste hyper plaisir. Et si toi aussi, tu veux trouver du shield dans tes prochaines games, t'as qu'une seule solution, c'est le code créateur HungryManSkill. Pour ça, tu vas dans la boutique d'objets, soutenir un créateur juste en bas à droite, tu cliques dessus. Et tu mets le pseudo HungryManSkill, c'est la même chose que le pseudo de ma chaîne YouTube. Tu peux le mettre en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Tu cliques sur accepter. Et s'il y a écrit créateur soutenu HungryManSkill, ça veut dire que c'est bon. Et n'oubliez pas les amis que si vous mettez mon code créateur entre le 8 et le 23 février, vous recevrez le 12 février le revêtement Saint-Valentin. De manière totalement gratuite, du coup ça fait plaisir. Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, ici HungryManSkill, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Ok les amis, aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez spécial. On va essayer de jouer avec les mêmes options, vraiment exactement les mêmes options que le très 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 connu joueur professionnel de Fortnite, j'ai nommé Tfue. Dude, that's so unfortunate. It should have been a 40+. Du coup on va mettre les mêmes touches, la même sensibilité. Tout pareil, et on va voir ce que ça donne. Aux 20 000 likes, je ferai un épisode 2 avec le joueur pro que vous m'aurez donné dans les commentaires. Du coup, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour qu'on atteigne les 20 000 pouces bleus et à me dire en commentaire le joueur pro que vous voulez voir dans l'épisode 2. Ok, du coup, les amis, on est parti pour mettre les options de jeu de Tfue sur notre Fortnite à nous. Alors, du coup, déjà au niveau de la sensibilité, Tfue est à 0,10 alors que moi j'étais à 0,12. Du coup, je vais devoir un petit peu la baisser comme ceci. Tac, il est en 0,10 en X et en Y. Après, au niveau de la sensibilité de la visée, il est à 0,700. Du coup, voilà, moi aussi je vais devoir encore baisser puisque j'étais à 1. Et en visée scope, il est à 0,550. Alors, du coup, c'est comme ça. Alors, au niveau des touches de mouvement, il a les mêmes que moi, c'est parfait. Au niveau de la touche pour s'accroupir, c'est la même chose. Alors, au niveau de la touche pour utiliser, vous savez, pour ouvrir les portes, etc. Moi, j'ai E et lui, il a F. Du coup, ça, ça va être compliqué à gérer. Alors, au niveau du mur, il a mis C. Au niveau du sol, il a mis E. Au niveau de l'escalier, il a mis Q. Et au niveau du toit, il a mis une touche sur sa souris. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Et au niveau du piège aussi, il a mis une touche sur sa souris. Hop, voilà. Pour modifier les constructions, il a mis la touche V alors que moi j'avais G. Pour la carte, il a la touche M. Et pour l'inventaire, il a la touche I. L'inventaire qui est juste ici, voilà, il a la touche I. Du coup les amis, je pense qu'on est à peu près bon. Après, au niveau des options graphiques, lui il a ça en épique. Et également les effets texture en épique. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok, du coup les mecs, je suis en mode créatif pour voir ce que ça donne un petit peu les nouvelles touches de Tfue en mode créatif, simplement pour construire et tout. Du coup, si j'essaie de faire des 90, ça donne quoi? Alors déjà, c'est C pour le mur. Après, pour le sol, c'est E. Et après, pour l'escalier, c'est Q. Du coup, on doit faire C, E, Q. Alors, ça donne ça. Merde, je me suis un peu fail. Oh, oh! Oh! Ok, je commence à avoir le truc. Mais je sens que cette vidéo, les amis, ça va être un sketch. Ok, alors déjà, la carte, c'est M, et ça, je l'oublie, tu vois. Déjà, avec le début, ça va pas. Ok, alors, pour l'inventaire aussi, il faut pas que j'oublie, c'est I. Ok, c'est I, faut vraiment pas que j'oublie ça. Là, directement, faut que j'appuie sur F et pas E. Je sens, tu vois, que j'allais appuyer sur E. Tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, ok, c'est F, mec. F et pas E. Y'a un mec. Y'a un mec ici. Ok. Merde, je vous jure. À regarder, on dirait c'est simple. Mais je vous jure, les amis, c'est tellement compliqué. Regardez, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'est quoi la touche pour modifier? C'est quoi la touche pour modifier? Ah, V, ok. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi, toi? Let's go! Ok, F, tac, tac, on appuie sur F partout. Ok, y'a un mec qui arrive. Non, non, non! Je veux mettre un... Je voulais mettre un sol, ça voulait pas le mettre, parce que j'appuyais sur la mauvaise touche. Et là, je veux les bandages. Merci pour les bandages, merci bien. Hop là, on se cache sous un toit. Super. Et on met un petit feu de camp.
Merde, faut que je mette un sol déjà, voilà. Et je mets le feu de camp, ça veut bien. Parfait. On va prendre un petit avion, les potes. Histoire de se barrer d'ici et d'aller trouver des gens à tuer. What? J'ai cru entendre un mec. Ouais, c'est ça. J'ai entendu un mec. Merde, c'est quoi l'escalier? Oh, je suis mort. Je suis dans la merde. Oh mon dieu. Regardez ma vie. Je sais pas, il lui reste combien de vie, mais moi, il me reste pas beaucoup, hein. Oh non, 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 tout sauf ça! Oh non, y'a un autre mec. Oh non, 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 tout sauf ça, s'il te plaît. Oh, je l'ai fait tomber. Oh non, bien joué! Oh, bien joué! Putain, c'est trop compliqué! Je vous jure, j'ai fait de mon mieux. Mais oh, il lui restait que 38 HP, j'ai le seum! Ok, les mecs, on est reparti pour une deuxième game. Et cette fois-ci, c'est top 1. Je vois rien entendre. Du coup, let's go, on va traire dans la petite maison niche, je pense. Merde, c'est F. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, j'oublie. Un petit pompe, ça fait plaisir. Ok, y'a un mec. Y'a un mec dans l'autre maison, les amis. Y'a un mec dans l'autre maison. Mets-toi l'escalier. Nice. Il est où? Oh, il a pris une faille, il est sérieux. Moi aussi, je prends ta faille, mec. Il est là. Ok, on l'a eu. Let's go! Bien évidemment, les amis, code créateur, un nom skill, ça fait plaisir. Ok, j'ai entendu des tirs là-bas. J'ai entendu que ça tirait là-bas vers la maison niche. Oh, y'a un mec qui est descendu, je crois. Oh, y'a un mec qui est descendu de la montagne et qui a les maisons niche, je pense. On va juste passer prendre le coffre ici, là. Vite fait. Ok, une petite AK, je prends. C'est toujours ça. Il est là. Mec, c'est impossible à jouer. Mec, c'est trop compliqué, je t'assure que toi, derrière ton écran, qui pense que c'est simple de jouer avec des nouvelles touches, essaye et tu verras. Ok, les potes, il y a une petite faille ici, on va la prendre. On va essayer d'atterrir sur l'avion qu'il y a sur notre gauche. On va essayer, je promets rien. Ok, l'avion. Oh, l'avion, il est trop loin. Oh, je sais pas si je vais pouvoir. Oh non, je peux pas, c'est mort. Ok, les amis, il y a du loot ici. On va aller se prendre ça. Oh, le loot qu'il y a, mec. Oh là là. Oh, y'a un mec ici, ok. Je me disais bien qu'il n'y avait pas du loot sans personne, tu vois, c'est pas possible, tu vois, ça existe pas. Qu'il y ait du loot comme ça, voilà, à l'air libre et que tout le monde puisse venir le prendre. Je me disais qu'il y avait quand même un petit souci, hein. Viens ici, toi. Toi, tu viens ici, toi. Toi, tu viens ici, toi. Viens ici, j'ai dit. C'est qui nous tire dessus, là? Qui veut la bagarre? Ok, je te vois. Oh, le mec il nous tire dessus, je le vois. Ok, il est là. Ok, let's go, baby. Ça fait plaisir. Hop là, on s'enferme. Petit sol au-dessus. On boit la petite pote. Enfin, la grosse pote, j'ai envie de dire même. Ok, les amis, on est top 9. Je peux vous dire que je commence à un petit peu avoir la pression, parce que si on arrive à faire top 1, alors que c'est des options de TFU et que je me suis même pas encore habitué, ça risque d'être plutôt un miracle quand même. Ok, là-bas y'a un mec, je sais pas si vous le voyez, il monte. Oh, j'ai oublié aussi, la visée elle a changé du coup. La visée c'est plus du tout la même. J'ai oublié. Il est là-bas. Merde, j'ai voulu le toucher, mais j'ai pas réussi. Et du coup je suis dans la zone. Merde, 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 merde. Faut que j'aille dans la zone. Allez, allez, s'il te plaît, vite. Ok, ça va. On est dans la zone.
Ok. Là, les amis, il faut que je mette une balle. Là, faut que je la touche, la balle. Ouh là 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 là, c'est chaud. Oh, je l'ai touché. Oh, let's go, baby. Oh, let's go, baby. Ok, il est dans le blanc, il est dans le blanc, il est dans le blanc. Bonne nouvelle. Il va devoir avancer avec la zone, là. Il est obligé. Sinon, il va mourir. Ok, là, je vais le choper, là. J'ai pas réussi à le toucher. Ok, let's go. Ça, ça fait plaisir. Mec, c'était soit moi, soit lui au sniper. Et heureusement que j'ai touché la balle, quand même. Heureusement. Oh non, lui. Oh là là. Oh, lui, il a l'air d'être chaud. Oh, lui, il a l'air d'être chaud, lui. Oh là là, non. Oh non, putain. Ça voulait pas mettre deux seuls, mec. Je te jure, c'est tellement compliqué. Bon, du coup, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis mort comme une merde, on va pas se mentir. Et bien évidemment, n'oubliez pas, c'est aux 20 000 pouces bleus que je ferai l'épisode 2. Du coup, voilà, n'oubliez pas, pouce bleu, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, bien évidemment. C'est très très important pour recevoir les prochaines vidéos. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao.